Vous êtes prêts? Oui. On va en cabane à sucre. C'est où la cabane à sucre? Dans 30 ou 40 minutes. Oui, t'as. On est où? La cabane à sucre. T'étais pas bien, Diana? Oui. Qu'est-ce que t'avais dans la voiture? Ah, il y a des enfants là, regarde. По-моему, я сфотографировала. Это все фотографии, да? Да. Она сказала, что можно заказать сколько угодно. Просто нужно сказать. О, merci. Merci beaucoup. Ah. Merci. Café, du thé? Coffee? Non. Merci. Moi du thé, s'il vous plaît. Oh, à bientôt. И у меня блинчик, оладушка. Я тоже хочу поделиться с тобой. Конечно. Я думала, что это тут, что там будет второй. Thank you.
Надо ждать. Parlez pas français. You don't speak French. Мы можем брать. Давай, для папы. Давай, папа, я тебя буду Вкусно? Tu l'aimes, Diana? Ouais. Hein? À l'école, ils vous en ont donné juste un? Juste un seul à l'école? Je viens d'avoir un appel sur mon téléphone, CKOI Régie 15. Mais tu vois, ni vide. Ni vide. Ni vide. C'est une grosse radio à Montréal. En fait, le gars, il se faisait passer pour un client et ça s'entendait assez sûr de lui. Et. Il commence en me disant « Vous êtes une agence matrimoniale ?» Et il me dit « Alors, comment ça marche? Je dois décrire la femme que je veux rencontrer, comment elle est physiquement, etc. » En fait, c'était un piège pour essayer de faire croire que nous sommes une agence qui traite les femmes comme des marchandises. Enfin, c'est pour montrer un petit peu l'état d'esprit que ces gens-là ont pour essayer de piéger, de faire des tentatives malsaines, de probablement qu'il enregistrait. Alors moi, je ne me suis pas démonté. Je lui ai dit, bah écoutez, monsieur, je m'excuse, ça ne marche pas comme ça. Je lui ai dit, non, en fait, je lui ai dit, mais de où vous m'appelez? Alors il me dit, bah je suis un client, quelqu'un. Je lui ai dit, bah c'est bizarre parce que c'est écrit CKOI, c'est une grosse chaîne de radio. Alors il dit « Ah oui, ben, j'appelle depuis mon travail. » Et puis j'ai dit ben, « Ça n'a pas l'air. » Et puis il a raccroché. Donc c'était effectivement un piège pour essayer de toute façon, c'est tellement
tellement bizarre. Enfin bon, voilà. Merci beaucoup, monsieur Гисима. Это очень приятно, неожиданно получить такой прекрасный букет. Я надеюсь, что он же такой прекрасный, как и жена Антуана. Очень приятно, господин месье. Нет, не господин. Давай, переделай. Сегодня я получила... Ты включаешь, да? Да. Только подальше. Сегодня я получила прекрасный букет от месье Гисимар. Спасибо вам большое. Merci beaucoup. Очень приятно, неожиданно. Месье Ги, я желаю вам, чтобы в следующем году или даже в этом году вы такой же прекрасный букет подарили своей женщине. И я очень надеюсь и верю, что с открытым сердцем, какое есть у вас, вы встретите такую же прекрасную женщину, которая будет светиться вместе с вами, как этот прекрасный букет. Спасибо. Merci beaucoup.